j'ai 67 ans. Je suis mariée depuis 44 ans avec le même homme. J'ai eu 4 enfants. Mon second fils, Pierre, a épousé une jeune femme coréenne et ils ont 2 enfants de 5 ans et demi et 18 mois. J'ai vendu ma société et je me suis arrêtée définitivement fin octobre 2017. Donc je vis là des nouvelles vacances qui ne s'arrêteront plus maintenant et j'en suis absolument ravie. On se lève toujours aussitôt, mais j'essaie d'avoir des activités un peu intellectuelles, donc j'apprends le grec pour histoire de pas me d'avoir à faire travailler un petit peu ma tête. Et puis je fais de la gym, je marche beaucoup. Voilà. J'étais contente d'être grand-mère parce que on va être grand-mère, mais je dois dire que j'étais pas hyper pressée, etc. Et quand c'est arrivé, je suis passée dans un autre état. Quand on devient parent, tout change. Ben, quand on devient grand-parent, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Mon mari qui me disait oh, « comme elle est belle, c'est pas parce que c'est la nôtre ». Ben si, c'est parce que c'est la nôtre, mais on est tous pareils, tous les grands-parents de la Terre. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Ma belle-fille, qui est donc coréenne, elle a deux cultures. Les grands-parents s'occupent énormément des petits-enfants. Et elle m'avait suggéré de prendre ma retraite. Je lui avais dit, mais il n'en est pas question une seule seconde. Et quand bien même je serai à la retraite, je ne prendrai pas un enfant tous les jours. Nous avons la chance d'avoir une maison de campagne où tout le monde vient beaucoup en fin de semaine. C'est déjà une maison familiale où était... qui appartenait à mes beaux-parents. On se retrouve tous les week-ends. Et c'est une petite anecdote, je suis la seule à avoir mon permis de conduire dans cette famille. Donc j'emmène beaucoup mon fils et sa tribu à la campagne le week-end. Et mon mari prend le train parce qu'il n'est pas assez grand. Alors bon, moi je vis un peu au jour le jour, je me fais pas trop de ciné, mais je trouve ça génial. Au final, je me disais, on verra comment ça va. Je trouve ça très agréable, parce qu'on a le temps de penser à soi, aux autres, on a beaucoup plus de temps devant soi. Et j'ai toujours eu l'impression de courir un petit peu, peut-être de ne pas faire les choses à fond, alors que maintenant, j'ai beaucoup de temps et je trouve ça très bien. Si je travaillais encore, il ne serait pas question d'aller chercher ma petite fille tous les mardis à l'école pour instaurer un petit rituel entre nous. Mais il y a une chose que j'ai remarquée et que j'ai vécue moi avec ma propre mère, c'est que quand on a 30 ou 35 ans, on ne comprend pas qu'on puisse être fatigué par des enfants entre 0 et 3 ans. Mais quand je demandais à ma mère de s'occuper de mes enfants, enfin quand elle s'en occupait, et qu'elle ne pouvait pas, je me disais quand même, c'est quand même pas compliqué et tout. Et je vois mes enfants, autour de moi, on trouve que j'en fais pas mal pour mes petits-enfants et mes enfants, je sens bien que si je pouvais m'en occuper plus, ils aimeraient vraiment beaucoup. Et bon, bah ça, je crois que quand ils seront grands-parents eux-mêmes ou quand ils auront 60 et quelques années, peut-être qu'ils verront la différence.